Bah salut les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo sur GTA V. Donc, comme certains l'ont pu constater, un nouveau DLC va faire son apparition le 15 décembre sur GTA V. Ce sera sur un nouveau braquage sur une île très, 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 très secrète. D'accord? Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, regardez, je vais vous mettre le petit trailer à l'écran. Et vous allez voir qu'une nouvelle île va apparaître dans GTA V. Il y aura des nouveaux véhicules, il y aura de tout. Même le paysage, regardez sur l'île. C'est magnifique, le ciel va être remasterisé un petit peu, ça va être magnifique, franchement, rien à dire. Donc les potos, pour ce DLC, donc il s'appellera le DLC Cayo Perico, c'est quoi? Donc c'est un braquage sur une île où il faudra s'infiltrer dans cette île isolée. Donc cette île isolée, il faudra s'infiltrer dedans, et c'est celle, donc l'île, c'est l'île du plus gros célèbre trafiquant de drogue au monde. Et cette mise à jour, les potos, ce sera la plus grosse, la plus géante de GTA V Online du moment. Et tout est officiel, les potos, d'accord? C'est toutes ces informations qui viennent de la page officielle de Rockstar Games. Donc Rockstar Games, je pense que c'est le 19 ou le 20, ils nous ont sorti le trailer. Donc voilà, sans plus attendre, j'étais occupé, j'aurais pu vous sortir hier, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à faire. Donc c'est pour ça que la vidéo, je vous la sors aujourd'hui. Donc regardez, il y aura des petits campements, il y aura un sous-marin, on pourra s'infiltrer dans le sous-marin. Vous avez vu? Franchement, ça va être magnifique. J'espère qu'ils disent ce qu'ils disent, d'accord? Que ce sera la plus grosse mise à jour du moment. Elle sortira le 15 décembre, les potos. Et il y aura des nouveaux véhicules, que ce soit normalement des véhicules souterrains, donc un nouveau sous-marin normalement, quelques voitures, un nouveau monde, donc un bout de monde, d'accord? Là où il y aura l'île. Normalement, ça va se situer vers le bas à gauche de la map, si je ne dis pas de bêtises. Je pense, d'après ce que j'ai pu regarder, je pense qu'ils vont le mettre en bas à gauche. Donc voilà. Donc nouveau véhicule, nouvelle mission, nouveau braquage, nouveau véhicule SUV, sous-marin, avion. On verra. En tout cas, j'espère que on va tous kiffer cette mise à jour. Si c'est le cas, les potos, n'hésitez pas à me dire dans la description et à me lâcher votre plus gros pouce bleu. Moi, les potos, je vous dis à très vite et je pense qu'on va se revoir très vite dans le 15 décembre pour la mise à jour. Donc voilà, les potos, profitez-en, faites un max d'argent le plus possible que vous pouvez pour utiliser pour le nouveau DLC, les potos. Et moi, je vous dis au 15 décembre. Allez, ciao, les potos.